Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission Santé 10 tous les jeudis de 20h à 21h. J'aimerais profiter pour vous remercier, chers téléspectateurs, puisque c'est grâce à vous si on a pu reconduire cette émission cette année, cette saison. Je voudrais remercier toute l'équipe de Canal 10, la direction, notre réalisateur de ce soir, Yann, et remercier l'ensemble des professionnels de santé qui se déplacent chaque jeudi entre 20h et 21h pour vous informer, pour parler santé en toute simplicité. Ce soir, nous avons opté pour pointer du doigt cette thématique, le syndrome du canal carpien, et pour vous en parler, des invités. Nombreuses sont les personnes qui souffrent du syndrome du canal carpien. Ce soir, on a décidé d'en parler et bien entendu, des professionnels de santé, mais aussi un témoignage avec ce soir, Madame Maric Charigny. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Canal 10. Merci d'être ici ce soir, merci de venir nous parler un petit peu de cette expérience. Vous avez eu l'opération, vous allez nous raconter un petit peu comment ça a commencé, qu'est-ce que vous avez ressenti, à quel moment il fallait se faire opérer, comment s'est passée l'opération. Pas de souci. On va en parler parce que c'est très très important que tous ceux et celles qui nous regardent puissent savoir ce témoignage. Okay. Bonsoir à Christopher Maggi Ankermaren. Est-ce que j'ai bien prononcé? Parfait. Parce que je m'entraîne, hein. Je me suis entraînée avant. Je me suis dit non, il faut vraiment... Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Vous êtes kinésithérapeute, mais aussi ostéopathe, ma sœur. C'est vrai que j'ai lu un petit peu, je me suis renseignée, je me suis documentée et j'ai vu que le kinésithérapeute avait un rôle très particulier quand on parle du syndrome du canal carpien. Vous allez tout nous expliquer ce soir dans cette émission Santé 10. Merci d'être ici. Oui, avec plaisir. Juste à côté de vous, le professeur Christian Dumontier. Vous êtes chirurgien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du canal carpien, professeur Dumontier? Alors, le canal carpien, c'est un espace qui est le lieu de passage entre l'avant-bras et la main. Et donc, c'est en haut de la paume de la main. Et dans ce petit canal vont passer les tendons pour les doigts et un nerf très important qui s'appelle le nerf médian. Et le syndrome du canal carpien, c'est quand ce nerf est comprimé. Essentiellement, c'est surtout ça. Et donc, ça donne des syndromes douloureux liés à la compression du nerf. Alors, quels sont les symptômes du canal carpien? Alors, ça dépend un petit peu de la gravité et de l'évolution. Mais au début, c'est essentiellement des fourmillements. Aux Antilles, on dit j'ai des crampes dans les doigts. Et normalement, c'est les doigts qui sont innervés par le nerf médian, c'est-à-dire le pouce, l'index, le majeur et la moitié du quatrième doigt. Maric, c'est ce que vous avez ressenti en tout début, des fourmillements? Au tout début, oui, exactement, ce sont des fourmillements. J'étais obligée de taper mon doigt parce que ça devenait vraiment... Collègue famille, nos grands-parents, nous qu'a dit, au cas sentiment là, engourdi, exactement. C'est important parce que on a beaucoup de personnes âgées qui nous regardent et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on leur explique un petit peu de manière simple ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, oui. Donc ça a commencé comme ça. Exactement, ça a commencé comme ça parce que comme je joue à la guitare, du sax aussi, donc pendant que je jouais, ça c'était vraiment douloureux. J'étais obligée d'arrêter. Alors j'ai dit non, il ne faut pas que ça continue comme ça, alors non. Il faut s'en occuper. Parce que quand on joue à la guitare, il ne faut pas s'arrêter comme ça. Donc comme je fais partie d'une chorale, la chorale de Dieu, la paroisse de Dieu, paroissiale, la chorale paroissiale, et j'ai des groupes de musique aussi. Alors il fallait que je fasse quelque chose. Qu'on s'en occupe rapidement. Oui. On va en parler tout à l'heure. Comment diagnostique-t-on le syndrome du canal carpien? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est d'abord un diagnostic clinique. Mm. C'est-à-dire que ça commence par les engourdissements qui sont surtout la nuit.
les gens sont réveillés, comme dit très bien Mme Charini, ils secouent leurs mains ou ils tapent, alors après, et chacun trouve son petit truc, il y en a qui mettent en haut, d'autres qui mettent en bas, d'autres qui se lèvent, qui frottent, mais schématiquement, en fait, on fait circuler le sang dans le nerf, c'est ça, parce que la compression sur le nerf va empêcher le sang de circuler, et c'est ça qui réveille, c'est pour ça que c'est la nuit d'abord. Et puis, comme elle le dit, après viennent les douleurs, d'abord les engourdissements, puis les douleurs. Et puis, dans les formes plus importantes, ces engourdissements, ces douleurs, c'est dans la journée, surtout quand on ne bouge pas. Donc, quand on téléphone, quand on conduit, quand on lit un livre, quand on fait du tricot, c'est des moments où on est gêné et les gens secouent les mains. Et puis après, d'autres symptômes apparaissent l'évolution continue, avec des troubles de la sensibilité. Donc les gens sont maladroits, ils ont l'impression d'avoir moins de force, de moins bien se servir de leurs mains. Christopher, dès ce moment où on est tout au début, on ressent des fourmillements, on commence à se sentir pas bien au niveau de la main, dès ce moment, on peut avoir besoin de l'aide du kinésithérapeute? Alors effectivement, l'idéal aurait été de pouvoir avoir des soins dès cette période. Clairement. Alors, comme le disait le professeur Dumontier, il faut que la pathologie soit diagnostiquée, en réalité, par un médecin. Donc, il faut, avant toute chose, que le patient voit son médecin. Et une fois qu'il aura vu son médecin, le médecin jugera de ce qu'il est bon de faire. Alors, dans l'idéal, ce serait bien, effectivement, que le patient puisse avoir des séances de kiné. Souvent, on lui prescrit une attelle, ce qui est une chose qui est vraiment très bien pour les nuits, parce qu'effectivement, les douleurs sont beaucoup plus importantes la nuit, et elles peuvent t'empêcher de dormir, effectivement, réveiller le patient. Avoir des douleurs toute la nuit, c'est vraiment compliqué, c'est des plaintes qui reviennent souvent. Mais effectivement, le kinésithérapeute pourrait intervenir dès cette phase. Dès cette phase. Ouais. Et comment le kinésithérapeute peut aider le patient pour le soulager de tout ça? Alors déjà, il faut mettre le doigt sur le facteur en fait qui a amené cette pathologie, parce qu'en réalité il y a toujours un facteur qui a, enfin, comme le disait le professeur Dumontier au début, le syndrome du canal carpien en fait c'est une compression du nerf médian, mais en fait ce nerf il est comprimé par les tendons en fait des fléchisseurs des doigts, en réalité qui gonflent à cause d'une inflammation, donc quand ils sont sursollicités ou s'il y a une compression, bref un mécanisme en fait qui va aller léser ces tendons. Et donc, du coup, ils vont gonfler. Comme ils sont dans un canal qui est non extensible, hein, puisque c'est de l'os, le canal carpien est constitué des os du carpe et il est recouvert en fait, par un ligament qui est lui aussi non extensible. Donc, du coup, quand les tendons gonflent, ils compriment le nerf. Et donc, du coup, le patient commence vraiment à avoir des douleurs. Du coup, nous, en tant que kinésithérapeute, on va essayer justement de soulager cette inflammation. On va expliquer aussi aux patients, surtout, le plus important, c'est qu'ils puissent avoir lui aussi comment se soulager, parce que bon, ils n'ont pas des séances de kiné tous les jours. Mais quand ils peuvent avoir des séances de kiné, on va les soulager, on va soulager le nerf, on va mobiliser, redonner de la mobilité à la zone. Mmh. On va étirer pour redonner de la souplesse. Et évidemment, on va masser pour soulager les douleurs des patients. Professeur Dumontier, est-ce qu'on connaît la ou les causes? Alors non, il n'y a pas une cause, il y a des facteurs. En fait, c'est ce qu'on appelle une maladie plurifactorielle, c'est-à-dire que de nombreux facteurs interviennent. Si on les classe par ordre de gravité, le premier facteur, c'est d'être une femme. Ah. C'est un peu plus de deux fois plus fréquent chez les femmes, et les femmes sont atteintes entre, on va dire, 40 et 60 ans. Les hommes étant atteints plutôt au-delà de 70 ans. C'est le premier facteur. Donc le deuxième facteur, c'est l'âge, la quarantaine. Le troisième facteur, c'est en général un surpoids ou une obésité qui est un facteur aggravant, puisque comme l'a rappelé Christopher, j'ai oublié votre nom, vous m'excuserez, c'est très bien. On est dans un canal qui est inextensible. Et donc si vous augmentez le contenu, tout le monde se retrouve serré à l'intérieur, donc les tendons se retrouvent serrés, on arrive à gérer ça, et le nerf se trouve serré, et ça déclenche les douleurs et les fourmis dont parlait Mme Charini. Et donc, le problème, c'est si vous gonflez, vous êtes gêné. Après, le quatrième facteur, c'est tout ce qui est trouble endocrinien, qui justement fait gonfler la grossesse, qui n'est pas une maladie, mais qui est quand même une période où les gens gonflent, l'hypothyroïdie, le diabète, un certain nombre de maladies, ou les accidents, cinquième cause, qui font que le canal est rétréci, ou en tout cas modifié. Donc dès qu'on change l'intérieur de ce canal, on a des risques d'avoir une compression du nerf médian.
Quels sont les risques, Christopher ou professeur Dumontier, hein, nous discutons, quels sont les risques si on ne soigne pas, quand il faut, le syndrome du canal carpien? Alors, je dirais une aggravation des symptômes, déjà. Alors oui, il y a deux choses. Il y a d'abord l'aggravation, comme dit Christopher, des symptômes, parce que au début, quand on a des fourmis la nuit, on se coule les mains, on se rendort. Mais il y a des gens qui sont réveillés 2, 3, 4 fois, 5 fois. Il y a des gens qui sont gênés pour le quotidien. Donc ça, c'est déjà désagréable. Mais surtout, le nerf, par définition, c'est un gros câble électrique. Donc si vous l'abîmez, vous allez abîmer les terminaisons sensitives. C'est surtout un nerf sensitif, mais également motrice. Donc les gens ont des paralysies, des muscles du pouce. Et dans les formes très sévères, heureusement, on ne voit pas ça très souvent, ils ne sont plus du tout dans leurs doigts, ils se blessent. Et on a les mêmes déformations, enfin les mêmes dégâts que dans la lèpre. Alors c'est rare ici, mais ça a été décrit. On en voit de temps en temps des gens qui ont des bouts de doigts qui tombent tellement ils ne sentent plus, ils se blessent, ils s'infectent. Et bon, c'est pas le plus fréquent, clairement. Mais la difficulté qu'ont les gens, c'est qu'ils perdent la sensibilité. Donc je laisse tout échapper, je veux pas me boutonner le petit bouton parce qu'il faut une sensibilité pour se boutonner. J'ai du mal pour les petits objets, je tiens, ramasse pas les petites pièces, toutes ces choses-là. Donc oui, si on laisse s'aggraver, le nerf s'abîme. Ouais, je pense qu'il y a des conséquences sociales aussi, puisque derrière, si on a des douleurs qui nous réveillent la nuit, qui nous empêchent de dormir la nuit, forcément le lendemain, on n'est pas au meilleur de sa forme, on n'est peut-être pas productif au travail, on est irritable. Enfin, il y a plein de conséquences derrière qui sont au-delà du fait qu'on est mal, mais je pense qu'il y a des conséquences sociales aussi. À quel moment on doit se diriger vers la chirurgie ? Alors, comme c'est un problème de compression, comme l'avait rappelé Christopher, le seul traitement, c'est la chirurgie. La question, c'est tant que ce n'est pas trop gênant, il n'y a pas besoin de chirurgie. Après, la chirurgie, ça va être soit parce que c'est trop gênant, malgré les différents traitements qu'on peut essayer, ça ne marche plus, on est trop gêné au quotidien, soit parce qu'on a des signes de gravité. Si on commence à laisser échapper les petits objets ou qu'on voit ses muscles du pouce fondre, entre guillemets, ça ne sert à rien d'attendre plus. Marick Charigny, à quel moment vous avez pris cette décision d'aller voir le médecin, de lui en parler et de lui demander surtout qu'est-ce qu'on va faire? Oui, parce que là, je ne pouvais plus. C'est surtout pour ma guitare, hein, parce que là, j'adore. Alors, je suis allée voir le médecin traitant. Sans faire de publicité, je suis allée voir le médecin traitant et il m'a proposé aux eaux claires de se diriger. Vers le docteur Kadji et le docteur Dumontier. Qui sont spécialisés Ils m'ont vraiment. Donc ça a été vraiment super. Et au bout de 3 semaines, je me suis décidée, parce que là, je ne pouvais plus jouer même. Là, c'était vraiment. La main était. Tout le temps. J'ai dû acheter des attelles, comme il a dit, le docteur. J'ai acheté 2 attelles pour dormir le soir, parce que ça faisait mal. Très, très mal. Et puis, je me suis fait opérer au mois de décembre 2020. Et après l'opération, ça a été super bien. Alors, on va y aller par étapes. Oui, vous décidez, Marick, de vous faire opérer. Oui. Donc, vous vous rapprochez des professionnels. Oui. Ça y est, on a la date de l'opération. Comment ça se passe? C'est un jour, on reste combien de jours? Et on veut tout savoir. C'est une matinée. D'accord. Bon, j'ai fait. Non, je dis une matinée, mais il a fallu faire les dossiers et tout ça avant. Et puis il y a l'anesthésiste. Il faut voir l'anesthésiste avant et après. Et je suis entrée le même jour. J'ai été opérée à peu près. Disons, ça n'a pas duré. Enfin, une demi-heure. À peu près en gros, c'est une demi-heure. Et puis, c'est ça, professeur Dumontier, ça dure environ. L'opération. Tout compris, on va dire une demi-heure. Ouais. L'opération elle-même, si ça se passe bien, si on est en situation facile, c'est une opération assez rapide qui peut prendre quelques minutes, mais il y a toute la préparation pour ne pas prendre de risque infectieux. Après, le pansement, expliquer aux gens. Donc, oui, une demi-heure, c'est habituellement ça. Et puis après, Marick, vous rentrez chez vous? Oui, j'ai dû appeler une de mes sœurs pour me récupérer. Mais c'était vraiment bien. Ça s'est bien passé. Très, très bien passé. Et le suivi aussi.
Enfin, on peut parler du suivi, bien entendu. C'était, il fallait au moins 3 semaines pour les pansements. Il y avait mon infirmière aussi. Je lui envoie un petit coucou. Qu'on salue, qu'on connaît très bien, Christine Rachon. Oui. Un petit coucou. Elle me faisait des pansements tous les 2 jours. Très bien. Et puis, au bout d'un certain moment, j'ai vu mes doigts fonctionner bien. Ça commençait à aller. J'étais bien contente. Et ça a été super bien. On va parler tout à l'heure de cette partie. Est-ce qu'on a eu besoin de rééducation? Est-ce qu'il y avait des petites choses à faire? Est-ce qu'il y avait des exercices à faire? Oui, quand même. Comment ça s'est passé? Moi, ce que je voudrais savoir, Christopher, le patient qui a eu donc son opération, la chirurgie, après l'opération, est-ce qu'il y a un suivi particulier avec le kinésithérapeute? Alors, en fait, ben, ça dépend de ce que le chirurgien décide, s'il prescrit ou pas des séances de kiné. Alors, en règle générale, les chirurgiens n'en prescrivent pas. Moi, je sais que je n'ai pas eu beaucoup de rééducation à faire après l'intervention. C'était surtout avant. Mais je pense quand même que c'est une bonne idée d'en faire après l'intervention. Alors, je ne sais pas si le professeur Dumontier sera d'accord, parce que bon, voilà. Mais je pense... Enfin, je sais qu'il y a plusieurs patients pour qui ça se passe très bien. En général, l'intervention se passe toujours très bien. Mmh. Parce que c'est une intervention, je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est une intervention qui est simple. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, elle se passe généralement très bien. Après, les suites, elles peuvent être aussi très bien. Mais après quelques mois ou quelques années, les patients, parfois, ont de nouveau les mêmes symptômes et s'en plaignent. J'ai encore eu une patiente là récemment que je ne soigne pas pour le syndrome du canal carpien, mm-hmm. puisqu'elle a été opérée, mais qui se plaignait justement de l'autre main, qui commençait à lui faire mal, et elle me disait justement qu'elle ne voulait pas de l'opération parce qu'en fait, la première, elle a marché pendant quelques mois. Un certain temps, ouais, voilà. Et puis après, c'est revenu. Et après, ouais, elle a eu les symptômes comme avant. Donc, voilà. Moi, je pense que ça peut être intéressant de pratiquer de la kiné après l'intervention. Pourquoi ? Parce que bon, les patients, parfois, peuvent être traumatisés par le geste chirurgical. Hein, je sais que ça ne se fait pas sous anesthésie générale. Donc voilà, je sais que ça peut traumatiser des patients. J'ai déjà eu des retours là-dessus. Puis sinon, les patients peuvent être aussi douloureux. Donc on va leur demander de faire des mouvements un certain temps après l'intervention. Est-ce qu'ils seront efficaces dans les mouvements qu'ils vont faire? Ça, je ne sais pas. Alors, il y a une plaie quand même, puisque bon, il y a eu un geste invasif, donc il y a une plaie qui doit guérir. Je pense que l'intervention d'un professionnel qualifié est tout à fait justifiée pour pouvoir, faire les mobilisations et le travail nécessaire et avoir le geste juste, c'est-à-dire un geste suffisamment ample, j'ai envie de dire, pour permettre d'éviter l'apparition des adhérences, parce que je pense que ce sont les adhérences après qui refont réapparaître les symptômes, mais pas traumatique pour ne pas empêcher la cicatrisation de la plaie, en fait. Voilà. Professeur Dumontier, je crois que la transition est toute faite pour que je puisse poser cette question. On ne guérit pas du syndrome du canal carpien? Alors, si on... Alors, c'est la compression nerveuse la plus fréquente. Elle touche beaucoup de gens. On considère qu'il y en a environ 140 000, 150 000 par an qui sont opérés chaque année en France, tout compris. Et donc, vous allez avoir des gens très variables. Il y a des gens, comme l'a dit Christopher, qui n'ont pas besoin de kiné parce qu'ils vont très bien, ils bougent tout de suite, etc. On considère qu'environ 85% des gens n'ont plus aucun symptôme. Ils sont guéris. Ils vous disent non, le côté opéré, tout va bien, j'ai oublié, je viens pour autre chose. Il y a 14,5% des gens, donc on arrive à 99,5%, qui vont mieux, qui sont très nettement soulagés, mais qui gardent des petites douleurs, des petits fourmillements, une petite gêne, enfin, il reste quelque chose. Alors ça peut être parce qu'ils sont, on va dire, plus douillés que les autres, mais ça peut être aussi parce qu'ils ont été opérés un peu trop tardivement, et donc ils gardent des petites séquelles. Et puis ça peut être parce qu'ils ont aussi d'autres maladies qui se surajoutent et qui compliquent les choses, ou qu'ils ont des complications, comme l'a mentionné Christopher, avec probablement des petites adhérences dans le canal, et ça coulisse moins bien, donc ça irrite le nerf. Et puis il y a un petit pourcentage de complications graves,
c'est pas fréquent, c'est 0,03%, mais c'est sur 150 000, ça finit par faire quelques dizaines de cas chaque année. Et puis souvent, on a eu sur les réseaux quelques personnes qui ont réagi, et souvent ils nous disent, ben, après une main, il y a eu l'autre main. Oui, c'est au moins la moitié des gens. Mais c'est normal. Si vous avez, c'est une maladie. Il n'y a pas de raison qu'elle touche qu'un côté plutôt que l'autre. Par définition, elle touche les deux côtés. Donc, quand vous voyez quelqu'un en consultation, vous dites qu'il vient pour, je dis n'importe quoi, la main droite, et vous dites, mais la main gauche, il me dit, ah, si, la main gauche aussi, mais c'est moins fort. Bon, on attendra, mais il n'y a pas de raison qu'il ait qu'une seule main touchée. Ouais, il n'y a pas de logique. Il y a aussi quand même des spécificités anatomique, hein. On n'est pas tous fait pareil. Il y en a qui sont plus grands que d'autres, voilà. Et en fait, au niveau du canal carpien, c'est pareil. On entend souvent parler de canal lombaire étroit, mais en fait, le canal carpien, c'est pareil. Il y en a des plus étroits que d'autres. Et donc, forcément, s'il est plus étroit, il y a plus de chances de faire, aux âges où on doit, eh ben, de développer le syndrome du canal carpien. Professeur Dumontier, combien de temps après l'opération, combien de temps on peut reprendre les activités, dans combien de temps à peu près, parce qu'on a bien compris que ça ne pouvait pas être la même chose chez tout le monde, mais en principe, en combien de temps on peut... Alors, si on écoute la Sécurité sociale, ils disent qu'on peut reprendre le travail au bout de 8 jours dans certains cas. Bon, c'est un peu inégal. Moi, je préfère écouter le professeur Dumontier, alors, qui est un professionnel de santé. C'est très variable parce que beaucoup de facteurs interviennent. Il y a un travail, je ne sais pas si je devrais le dire ici, mais un très beau travail qui a été fait par Francis Chaise à Nantes, qui a étudié la durée d'arrêt de travail selon les métiers. Donc, il a vu des canocarpiens qu'il a opéré lui-même, monsieur à la retraite maintenant, et globalement, un artisan qui a besoin de travailler, au bout de 11 jours, il reprend le travail. Un salarié du privé, il reprend le travail au bout de 21 jours, et un salarié du public au bout de 42 jours. Évidemment, on dit comme ça, on a envie de dire quand même les fonctionnaires, ils exagèrent. Alors, ça ne tient pas seulement au statut, c'est si vous êtes artisan tout seul dans votre boîte, il n'y a pas de choix, il faut y retourner, et donc, globalement, on peut y aller, entre guillemets, assez vite. Si vous êtes dans le BTP, non, c'est un mois et demi. Mais si vous êtes un artisan d'une entreprise où il y a peu de travail manuel, vous pouvez reprendre plus vite. Si vous êtes dans une grande administration où tout le monde s'est arrêté un mois et demi, si vous arrêtez 3 semaines, vous passez pour un vilain petit canard. Donc vous allez faire un mois et demi d'arrêt, comme tout le monde, puisque c'est comme ça que ça se fait dans l'administration. Puis on marchera quand même. Donc c'est très variable, y compris pour des critères qui ne sont pas des critères personnels. Donc, comme a dit madame, elle a envie de jouer de la guitare. Je ne sais pas au bout de combien de temps elle a pu, mais dès qu'elle a pu, je suis sûr qu'elle s'y est mise. Quelqu'un qui n'a pas envie de retravailler, il travaillera plus longtemps. Maric, après 3 semaines, c'était bon? Oui, on avait recommencé à faire quelques accords? Après 3 semaines, j'ai essayé à la maison. J'ai dit, oh, le doigt, oh, ça va bien. Et puis après, je suis allé à la messe, parce que comme j'aime bien aller à la messe tous les dimanches, j'accompagne la chorale. Alors, au bout de 3 semaines, j'ai réussi à jouer. Ouais. Mais pas très... comme, c'est petit à petit, et puis après ça a été tout doucement. Ça a été, mais la main, je sens comme maintenant la main droite a envie de me faire, de faire des siennes aussi. Il y a ce doigt. Ça fait combien de temps que vous avez eu l'opération? 2020. En décembre 2020. Donc 2 ans après, la main droite commence à me dire, il faut peut-être, mais il faut, je vais attendre encore, parce que là, j'ai besoin de la main. Pour jouer ma musique, j'en ai besoin. Mais peut-être, justement, Christopher, peut-être qu'il ne faut pas... Trop attendre. Ben après, il y a des petits exercices qu'on peut proposer qui permettent justement d'améliorer l'état de la main, de garder en mobilité, peut-être même de l'améliorer, et de pouvoir continuer sa guitare, bien sûr. Est-ce que, alors, comme toute opération, sûrement il existe des complications? On en parle tout à l'heure, on va marquer une courte pause, puisque nous sommes déjà à la moitié du temps. On va marquer une toute petite pause et on va revenir juste après pour parler des complications de la chirurgie.
Et si vous prenez en cours cette émission Santé 10, sachez que nous parlons du syndrome du canal carpien. Nous avons avec nous Marick Charigny qui nous a porté son témoignage. Elle a eu son opération il y a 2 ans et donc elle nous a expliqué comment ça s'est passé. Et tout à l'heure, elle nous dira aujourd'hui eh bien, comment elle va et qu'est-ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle a repris toutes ces activités? Nous avons avec nous Christopher Maggi en Kermaren, qui est kinésithérapeute, masseur ostéopathe, et le professeur Christian Dumontier. Nous étions juste avant notre petite pause, hein, nous étions en train de parler des complications. On se posait la question, quelles sont les complications de la chirurgie? Ça, c'est pour le chirurgien, j'ai compris. Il n'y a pas de chirurgie sans complications. Il y a des complications mineures. On a une cicatrice, elle ne se voit pas beaucoup en général, mais il y a au moins ça. On va dire, il y a 3 groupes de complications. Il y a des complications chez tout le monde qui sont les douleurs post-opératoires, qui peuvent être un peu gênantes, qui sont au talon de la main. Les Américains appellent ça la pillow pain, la douleur de l'oreiller, parce que c'est là où on appuie sa main, et qui peuvent justifier notamment de rééducation, comme l'a signalé Christopher après, pour essayer de récupérer. Celles-là, elles sont obligatoires, elles durent un certain temps, ça peut durer plusieurs semaines, et elles sont plus ou moins gênantes, mais normalement, elles finissent par disparaître. De façon habituelle, elles disparaissent. Après, il y a des complications qui ne sont pas spécifiques à la chirurgie, il y a maladie, c'est pas très clair, qu'on appelle l'algodystrophie, qui est une espèce de réaction anormale de la main, qui est mal connue. Il y a des gens qui considèrent que ça n'existe pas, donc vous voyez, c'est un peu flou, mais qui peuvent entraîner des douleurs et une gêne assez longue, et ça relève de la rééducation notamment, pendant très longtemps. L'infection est rarissime, mais c'est toujours possible après une chirurgie. Et les principales complications, en fait, c'est que le chirurgien blesse le nerf. Et ça, c'est une catastrophe. Clairement, c'est une catastrophe parce que pour un nerf, d'abord, quand il y a un nerf coupé, par exemple, ça récupère pas très bien. Ça récupère d'autant moins bien qu'on a plus de 20 ans. Et là, on s'adresse à une population qui est plus âgée. Et en général, quand on le blesse, c'est pas juste en le coupant comme ça, proprement. C'est l'instrument qui va abîmer le nerf sur plusieurs centimètres. Et les gens gardent des séquelles qui sont très invalidantes. C'est heureusement 0,03%, mais c'est quand même 0,03%. Donc ça reste possible, et ça, c'est une catastrophe. Christopher, y a-t-il des activités qui favorisent l'apparition du syndrome du canal carpien? Alors, toutes les activités, en fait, qui sollicitent énormément le poignet, et ce, de façon répétitive, oui, peuvent effectivement augmenter le risque de survenue du canal carpien. Si je peux citer quelques exemples, je suppose que mon papa doit me regarder ce soir, je vais parler de mon papa. Il est éleveur boucher, donc les gestes au couteau, main fermée, donc des gestes de prise forte aussi, parce qu'il doit aussi soulever des carcasses de viande. Quand il s'occupe de ses animaux, donc il va attacher les bœufs au piquet. Quand il frappe le piquet avec la masse, il y a des vibrations, parce que oui, les vibrations aussi sont des facteurs aggravants, enfin, augmentant la fréquence de survenue du canal carpien. Donc, voilà. Mais en fait, comme il ne réalise pas ces gestes-là de façon très fréquente, hein, puisqu'il a des jours pour chaque chose, donc ça va, il n'a pas encore développé de syndrome du canal carpien. Après, comme disait le professeur Dumontier, pour les hommes, c'est aux alentours de 70 ans, il ne les a pas encore, donc... ça va, voilà. Il a encore le temps. Oui, voilà. Mais bon, en fait, pour en revenir à la question, oui, tout ce qui... Tout ce qui sollicite le poignet de façon répétée dans la journée, donc toutes les professions. Il semblerait visiblement, selon l'HAS, que le travail à l'ordinateur n'en fasse pas partie. Hein, pourtant, le poignet active toute la journée, mais non. Et donc, en tout cas, outre le travail à l'ordinateur, toutes les activités qui sollicitent le poignet de façon récurrente, oui. Donc on peut dire, c'était la question d'une téléspectatrice du côté de Capesterbello, donc on peut dire que le canal carpien est en rapport, en tout cas que le syndrome du canal carpien, c'est en rapport avec le travail. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon. Pas du tout. On va prendre un exemple simple, vous parlez du papa de Christopher.
Le câlin carpien, il touche les femmes. Alors, est-ce que ça veut dire que les hommes, ils fichent rien de leur petit doigt toute la journée? Câlin carpien, c'est surtout la nuit. On travaille le jour. Travail carpien, c'est quand on travaille, mais le week-end aussi, on a le câlin carpien. Donc, en fait, non, c'est pas lié au travail. Mais comme l'a dit Christopher, quand vous utilisez vos mains de façon régulière, si vous avez un câlin carpien, vous êtes encore plus gêné que quelqu'un qui fait rien de ses doigts. Mais c'est pas ça qui donne le câlin carpien. Le câlin carpien, c'est un autre facteur, et il est évident que le travail aggrave les symptômes des gens qui ont un câlin carpien. Mais par exemple, le clavier et l'ordinateur, ça a été une des premières craintes, parce que après, il y a une espèce d'emballement médiatique. À partir du moment où on a dit que l'ordinateur donnait le câlin carpien, aux États-Unis, les gens ont porté plainte. Donc, les gens qui ont fait le travail scientifique qui montre qu'il n'y a aucun lien, c'est pas des médecins, c'est des avocats. Les avocats payés par IBM, Dell, enfin les grandes compagnies d'informatique ont dit, attendez, si je dois avoir des procès, j'arrête de construire des ordinateurs. Donc, c'est pas mon problème. Et donc, les gens ont montré, non, il n'y a pas de lien. Depuis, il y a eu plein d'autres travaux, et notamment, il y a un grand travail, il se trouve que mon nom est dedans, mais avec les employés d'EDF. Donc, il n'y a pas de lien avec l'ordinateur, ça, c'est sûr, on en est certain. Dans certains pays, ça n'est jamais reconnu comme maladie professionnelle. Mais par contre, si vous regardez en Europe, ça représente presque 60% des maladies professionnelles. Ce qui était un mauvais calcul, parce que des gestes répétitifs, on en fait tous. Vous en faites, j'en fais, je tape sur mon ordinateur quand je vois des patients. Christopher en fait, Marie qui en fait avec sa guitare, elle doit jouer plusieurs heures par jour pour s'entraîner. Oui, on peut toujours dire qu'elle fait des gestes répétitifs. C'est pas ça qui lui a donné son câlin carpien. Elle avait un câlin carpien, et quand elle jouait de la guitare, ça la gênait plus. Et elle aurait été, je sais pas quoi, lectrice de journaux, ou elle ferait des sudoku, peut-être qu'elle aurait pas été opérée aussi vite. Mais ça n'est pas le travail qui donne le câlin carpien. Très bien. Mais il contribue à gêner les gens. Ça augmente la fréquence de survenue, peut-être. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une question de durée. Parce que c'est sûr que si on fait un mouvement répétitif pendant deux heures dans une journée, c'est pas pareil que quelqu'un qui fait ça toute la journée. Donc je pense qu'il y a aussi une notion de durée du mouvement répétitif. Alors, je vais être un peu polémique. Le RSI, ce qu'on appelle en anglais le RSI, c'est Repetitive Strain Injury. C'est-à-dire le mouvement répétitif, c'est une notion qui a été développée et tout le monde s'est précipité dessus. Et en Australie, puisque c'est là que ça a été développé, tous les employés d'une compagnie de téléphone sont tous sortis en disant « Moi, j'ai un mouvement répétitif, j'ai des douleurs, j'ai ceci, j'ai cela. » Ça a été tellement important que même les élèves de 12 ans à l'école disaient « Moi, j'ai RSI parce que j'écris beaucoup à l'école. » Jusqu'au jour où l'Australien dit « C'est simple, on ne paye rien. » Il n'y a plus de RSI en Australie. Ouais, c'est réglé. Donc, il n'y a plus d'indemnisation, donc plus personne s'en plaint. Et Christopher est bien placé. Le mouvement répétitif, il y a des gens qui font ça tous les jours. Ça s'appelle les sportifs de haut niveau. Ils ne tombent pas malades. Au contraire, ils s'entraînent pour aller au mouvement répétitif. Donc le mouvement répétitif lui-même n'est pas une cause. Mais, non, mais derrière, comme Christopher l'a dit, si vous faites tout le temps le même geste, et un geste qui éventuellement n'est pas forcément très intéressant, bon, vous ressentez plus vos symptômes. Le professeur Rocklor, c'est un médecin du travail en métropole qui a beaucoup travaillé là-dessus. Qu'on a beaucoup discuté, parce que je disais, c'est pas lié au travail, il dit quand même, t'exagères, etc. Et donc il me dit, je retiens deux causes principales, les gens qui travaillent à la chaîne, parce qu'ils peuvent pas s'arrêter, en fait. Ouais, c'est ça. Et les gens qui sont payés à la pièce, parce qu'ils sont obligés d'en faire beaucoup pour gagner leur vie. Et donc ceux-là sollicitent de manière exagérée leurs mains, et bon, comme c'est pas forcément des mouvements, on va dire, bien contrôlés, bien éduqués, ils ont plus facilement... Et une reconnaissance en maladie professionnelle pour ces gens-là paraît parfaitement légitime. Mais voilà, quelqu'un qui est secrétaire, non, clairement, c'est pas une maladie professionnelle. Professeur Dumontier, il existe plusieurs techniques de chirurgie. Si oui, laquelle est la meilleure, du coup? Alors, oui, il en existe plusieurs qui ont évolué dans le temps. Parce qu'étonnamment, c'est la maladie la plus fréquente, mais elle a été opérée très tardivement, puisque dans les années 1940, il n'y avait que quelques cas qui étaient publiés. Et puis ça s'est développé dans les années 50, avec un monsieur qui s'appelait George Fallon, qui est un Américain. Et lui, il mettait un grand coup de ciseau de
du haut de la main vers le bas de la main. Voilà, c'était tout, tout simple. Et puis après, on a sophistiqué, on a sorti le microscope, on a pelé le nerf. Puis finalement, on s'est aperçu que ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut, c'est couper le ligament, dont parlait Christopher au début de l'émission, qui est la seule partie, on va dire, qui n'est pas osseuse de ce canal. Si vous coupez le ligament, quelle que soit la technique, ça marche. Alors, on a fait les grandes cicatrices, on a diminué les cicatrices, on a mis des caméras pour essayer encore de diminuer les cicatrices, mais ce n'est pas la cicatrice qui fait mal, c'est le fait d'ouvrir le ligament qui donne cette espèce de douleur dont j'ai parlé depuis la pain. Donc, finalement, toutes les techniques se valent. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. C'est plutôt, prenez un bon chirurgien qui connaît et qui maîtrise sa technique que quelqu'un qui veut essayer un truc farfelu ou original, parce que là, vous risquez d'avoir des soucis. Et on peut le choisir, notre chirurgien ? En France, oui. C'est bien. Très bien. Il ne reste aucune trace. Il n'y a plus rien. Normalement, hein, les cicatrices dans la paume de la main, les cicatrices sont très très discrètes. Parce que quand elle nous a montré Marie, qu'on s'est dit oui, ben aucune trace quoi. On ne voit pas, on ne voit rien, on ne voit rien. Et justement, Marie, comment ça va maintenant, aujourd'hui, 2 ans après cette main, comment elle va, comment elle fonctionne, est-ce que tout va bien? Aujourd'hui, tout va bien. J'arrive à tenir un couteau bien, jouer ma guitare, faire à manger, afin de me servir de mes mains. Comme avant. Sans problème, comme avant. Comme avant. Très bien. C'est rassurant, ça, pour ceux et celles qui nous regardent et c'est qui ont sûr. Peut-être un petit souci et qui appréhendent. Qu'est-ce que vous pensez, hein, la question, elle est pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la rééducation avant d'être opéré? Moi, je pense que c'est une bonne chose, déjà, parce que en réalité, le médecin, quand le patient va aller voir le médecin va lui proposer donc la telle, certainement, mais si les douleurs persistent, il va certainement lui proposer une infiltration, et les patients, de façon générale, n'aiment pas trop les infiltrations. Donc, dans tous les cas, je pense que ça peut être judicieux d'essayer la kiné. Et nous, on a des protocoles qu'on met en place pour soulager le patient de ses douleurs, pour le faire gagner en mobilité et puis conserver une bonne force, et évidemment, réduire les douleurs. Donc oui, je pense que c'est une très bonne chose d'essayer la rééducation dans tous les cas avant de se faire opérer, puisque l'intervention chirurgicale reste un acte invasif. Si on a possibilité de faire quelque chose de non-invasif avant, je pense que oui, c'est tout à fait logique d'essayer. Professeur Dumontier ? Je suis d'accord. Si vous voulez, le problème, le traitement avec un carpien avéré, c'est forcément la chirurgie. C'est coincé. C'est-à-dire, si vous ne décoincez pas, il ne se passera rien. Mais beaucoup de gens ont un syndrome du calcarpien. J'ai un petit syndrome du calcarpien qui me gêne une fois de temps en temps. Donc, je n'ai pas besoin de me faire opérer. Donc, moi, il me gêne tellement peu que je ne fais rien. Mais s'il me gênait plus, je pourrais faire de la rééducation, porter une orthèse, me faire faire une infiltration. Tous ces traitements vont soulager les patients, mais ne vont pas régler le problème de la compression. Donc, tant qu'on peut, sans chirurgie, c'est beaucoup mieux. Le chirurgien, il ne veut pas opérer pour le plaisir, simplement. Je me dis, mais quand même, selon les chiffres de l'HAS, il y a quand même 30%, enfin, non, pas 30%, pardon, un tiers des patients qui récupèrent sans chirurgie. Ils ne récupèrent pas. Ils ont des symptômes avec lesquels ils s'accommodent. Et si c'est coincé, c'est coincé. Mais si vous voulez, quand vous avez un nerf coincé, vous pouvez être plus gêné pendant un moment, puis finalement, ça rentre dans l'ordre, et c'est très bien comme ça. Tant que le nerf ne souffre pas, il n'y a pas de raison de se faire opérer. On voit beaucoup de choses sur Internet, on voit beaucoup de techniques. On doit peut-être faire attention et éviter de toujours y aller, regarder et surtout s'en imprégner, non ? De toute façon, moi, j'ai envie de dire, en première intention, si un patient a des symptômes, il doit consulter son médecin. Il n'y a que le médecin qui est habilité à poser un diagnostic. Hein. Enfin bon, quoique moi, je suis ostéo, je connais les tests pour objectiver un syndrome du canal carpien. Mais dans les faits, le parcours de soins, c'est que le patient, il a un problème, il va voir son médecin, et c'est le médecin qui pose le diagnostic. C'est aussi simple que ça. Oui, enfin, tout ce que dit Christopher est vrai. Le problème d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de sélection. Donc vous avez des sites qui sont très bien faits, qui sont très sérieux, mais si vous regardez sur Internet et que vous tapez canal carpien, 90% des sites vont essayer de vous vendre de la poudre de perlimpinpin, et ça ne marche pas.
Donc vous aurez du mal à savoir quel est le bon cycle qui vous propose des traitements qui vont être efficaces, qui vont vous permettre d'être soulagé ou en tout cas d'être amélioré et de retarder éventuellement une intervention, et d'autres qui vont vous vendre n'importe quoi et ça va pas. C'est la difficulté d'Internet. Il y a plein de choses dessus, c'est génial, mais il y a aussi plein de mauvaises choses. Alors, est-ce que la vitamine E, elle est utile? Cette fameuse... Scientifiquement, non. J'aimerais bien que vous puissiez répéter ça, parce qu'il y a eu plein de questions autour de cette histoire de vitamine E. Alors, la réponse est scientifiquement non. Alors, c'est compliqué, parce que la science, et la médecine, ça se veut une science, mais pour montrer une efficacité, c'est assez compliqué. En physique, c'est pas compliqué, vous jetez une bille et puis vous mesurez sa vitesse, enfin, quelque part c'est assez simple. En médecine, comme on est tous très différents, on va pas réagir de la même manière. Et donc il va falloir faire beaucoup, beaucoup de tests pour dire ben, finalement ça marche vraiment et ça marche pas. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, tout ce qui est vitamines et autres médicaments, clairement, ça n'a jamais, jamais, jamais montré que c'est efficace. Alors... on peut avoir mal, avoir les symptômes en question, et ça peut ne pas être le syndrome du canal carpien. Et ça peut être autre chose. Quoi, par exemple? Alors, ça peut être pour moi ou pour Christopher. Si vous voulez, le syndrome du canal carpien, c'est un nerf coincé au poignet. Alors déjà, ça peut être un nerf coincé ailleurs. Il peut être coincé au coude, c'est rare. Au creux, c'est jusqu'à l'équilibre, enfin, au niveau du cou, c'est également assez rare. Au niveau du cou lui-même, au niveau de la colonne vertébrale, c'est très fréquent. Et en plus, ça peut être associé. Vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez être coincé en haut et en bas. Et puis, ça peut être d'autres symptômes. Parce que vous avez du diabète, et les diabétiques, ils ont plus souvent des fourmillements que les autres. Ça peut être des symptômes pour lesquels il n'y a pas de cause qu'on connaisse. Les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein, par exemple, qui sont sous anti-aromatase, elles ont très souvent des fourmis dans les doigts, et c'est le médicament qui fait ça, et c'est pas, entre guillemets, leur canal carpien. Donc, il y a de nombreuses causes, et comme l'a rappelé Christopher, la difficulté, c'est pas de dire c'est un canal carpien, c'est de dire c'est un canal carpien parce que j'ai éliminé d'autres causes, et c'est probablement ça qui vous gêne. À ce moment-là, on pourra vous traiter. Mais ça peut être de très nombreuses causes, et ça peut être des associations. On a quelques questions de téléspectateurs. Je vais essayer d'aller vite, puisqu'on est pratiquement arrivé à la fin de notre rendez-vous. Donc, on a Claire Nita de Capesterre-Belle-Eau qui demande combien de temps l'indisponibilité, combien de temps après l'opération. On a déjà répondu à cette question. Marise, moi, ça a été à peu près 3 semaines. C'était pas tout à fait cicatrisé, hein, quand même. Hein. Mais j'arrivais à faire mes affaires quand même. Hein. Comme c'est la guitare que je joue, j'accompagne la chorale. Donc je jouais. Après 3 semaines, j'ai pu jouer. Mais ça peut durer un peu plus de temps. Hein. Moi, j'étais vraiment motivée. Il y a ça aussi. Ça a été très vite pour moi. Oui. À partir de combien de temps, Maric, avez-vous commencé à essayer? Non, quand même 2 semaines. Après 2 semaines, parce que j'ai pas voulu pousser trop vite non plus. Et après la 3e semaine, j'ai commencé à bouger les doigts, bien bouger les doigts, et j'ai pris ma guitare. Les accords n'étaient pas très très bien, mais après, au bout des 3 semaines, la fin des 3 semaines, ça a été super bien même. Alors, on a Lucie de Gare-Lègonesse qui demande « Pourquoi a-t-on l'impression que les chirurgiens ne jurent que par la chirurgie alors que peut-être que le syndrome du canal carpien peut être traité médicalement ?» Alors, j'ai compris que c'était pour moi la question. On ne jure pas par la chirurgie, mais c'est un problème mécanique. C'est coincé. J'ai l'habitude de dire aux patients, moi je suis le pêcheur dans une barque et j'attends que le poisson saute dans ma barque. Moi j'ai pas mal, c'est le malade qui a mal, c'est lui qui vient. Donc si tous les traitements qui ont été proposés, la rééducation, les orthèses d'infiltration ne marchent pas, soit vous gardez vos douleurs, soit vous allez voir le chirurgien. Et voilà.
Marie-Cécile, qui est du côté de Terre de Haut, nous demande, est-ce une maladie qui peut être reconnue dans certains cas au titre des maladies professionnelles ? Alors, on a répondu. La réponse est oui, parce que le critère tel qu'il existe, le tableau 57 en l'occurrence, est assez flou, donc on peut tout y mettre tout le monde. Sur le plan scientifique, si vraiment on est consciencieux, c'est très, très, très rarement une maladie professionnelle. Il faut vraiment des gestes répétitifs, sans pause, des conditions de travail difficiles. Cela, oui, clairement, c'est lié au travail. Mais journaliste à Canal 10, ça ne te donne pas un canal carpien professionnel. Je ne sais pas pourquoi le professeur Dumontier me précise cette partie-là. Je ne comprends pas. Alors, on a Georges qui demande à Christopher, est-ce qu'on est obligé de passer par son médecin traitant avant de venir vous voir ? Alors, moi, comme j'ai une casquette, je vais répondre pour les deux, parce que je suis ostéopathe et masseur-kinésithérapeute. Un ostéopathe, on peut de toute façon le consulter en première intention. Ça, c'est, donc, il n'y a pas besoin d'ordonnance. La kinésithérapie, non plus, mais le patient sera amené à régler les soins. Donc, c'est plus judicieux de passer par le médecin, comme ça, il aura une ordonnance et il pourra se faire rembourser ses soins. Est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous êtes, où vous êtes positionné en Guadeloupe ? Alors, moi, je suis aux Abîmes. Aux Abîmes. Je suis, ouais. Très bien. Et on trouve facilement, si on va sur les... Oui, on trouve facilement mes coordonnées sur Internet, oui. D'accord. Donc, on tape Christopher. Voilà. Alors, attendez. Non. Il faut... Non, je me suis entraînée toute la semaine à dire ce nom-là. Magi... Anker-Marraine. Voilà. On tape juste ça et on trouvera les coordonnées avec... avec facilité. Ouais. Marie, s'il fallait, pour finir, dire quelque chose d'important à toutes ces personnes qui nous regardent, parmi ces personnes, on en a qui souffrent du canal carpien et qui n'osent pas. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Bien, moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous souffrez vraiment, il ne faut pas hésiter, parce que ce n'est pas une chirurgie qui fait mal. Ça va très, très vite. Et si vous avez quelqu'un qui vous aide chez vous, pour faire le ménage, pour faire les trucs, vaut mieux vous occuper de votre santé avant. Comme on le dit si bien, la santé est une d'abord. Priorité. Oui, merci, priorité. Maric. De rien. Merci d'être venu ce soir. Merci pour ce témoignage. Merci. Et puis, si ou j'ai senti l'autre, mais là, qu'a commencé, potez mon œuvre. Christopher, un petit mot de la fin pour tous ceux et celles qui nous regardent. Ben, j'ai été enchanté d'être avec vous ce soir. J'espère que les explications étaient claires et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci beaucoup. Merci. Professeur Dumontier, une personne qui commence à avoir mal, à se sentir pas bien, qu'est-ce que vous lui dites à cette personne ? Comme l'a dit Christopher, allez voir votre médecin, c'est le plus simple. Après, il saura vous conseiller, il saura en fonction de vos autres traitements ou d'autres pathologies, vous dire ça c'est probablement un canal carpien ou probablement c'est pas ça, allez faire tel ou tel examen qui va nous aider pour faire le bon choix du traitement. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci pour ce moment ensemble. On espère, chers téléspectateurs, qu'on a répondu à certaines de vos interrogations. Vous le savez, votre santé est une priorité. C'est pour cela qu'on va se donner rendez-vous jeudi prochain, 20h-21h, pour une autre thématique. J'aimerais remercier Yann ce soir à la réalisation de cette émission et vous dire merci de nous suivre régulièrement le jeudi soir de 20h à 21h. Merci aux invités. Et puis tout de suite, je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge.